Alors, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 28 octobre 2022, 7h59 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, chers amis, malgré la situation très, très difficile dans laquelle on est et qui n'est pas prête de s'améliorer. Je vous l'ai dit, préparez-vous c'est la fin de notre système, c'est l'effondrement de nos sociétés. On la vit, cette euh, situation-là, ensemble, en direct. Donc, il n'y a rien qui va s'améliorer. Les politiciens sont incapables de contrôler quoi que ce soit parce que, d'abord, il y a leur politique <laughs> irréfléchie d'un monde magique qui est en train de s'écrouler, plus naturellement, les événements naturels, les changements de cycle naturels qui vont faire que il y a un reset qui se fait et que Plusieurs sociétés civilisées, avancées, les preuves sont là, se sont fait remettre à zéro par des cycles importants et c'est ce qu'on est en train de vivre. Pendant ce temps-là, parlant de ce qu'on n'est pas capable de contrôler, il y a la grande île d'Hawaï. Vous vous rappelez, il y a deux ans, trois ans, ce fameux volcan qui était entré en éruption pendant des mois et ça donnait des images spectaculaires mais dramatiques. Eh bien, imaginez-vous, on retourne un peu dans ce mode-là. La Grande-Île d'Hawaï a reçu un avertissement alors qu'un énorme volcan est en train de gronder. C'était publié ce matin, tôt ce matin, par la Société de presse qui nous raconte ça, qui nous rapporte la nouvelle. Les responsables d'Hawaï avertissent les habitants de la Grande-Île que le plus grand volcan actif au monde, le euh, Mauna Loa, envoie des signaux indiquant qu'il pourrait entrer en éruption. Wow! On est en alerte parce qu'il y a eu un, un, un récent pic de tremblement de terre au sommet du volcan. Les experts disent qu'il ne faudrait que quelques heures à la lave pour atteindre les maisons les plus proches des bouches d'aération du volcan, dont la dernière éruption remonte à 1984. L'Agence de défense civile euh, d'Hawaï organise des réunions à travers l'île pour informer les résidents sur la façon de se préparer à une éventuelle urgence. Ils recommandent d'avoir un sac Prêt, un sac go, avec de la nourriture, d'identifier un endroit où rester une fois qu'ils quittent la maison et de faire un plan pour retrouver des membres de leur famille. Donc, euh, le volcan représente 51 de la masse continentale de l'île d'Hawaï, donc une grande partie de l'île a le potentiel d'être affectée par une éruption. Imaginez-vous. Waouh! Donc, il y a eu une poussée de développement sur la grande île au cours des dernières décennies. Sa population euh, a plus que doublé euh, pour atteindre 200 000 habitants aujourd'hui contre 92 000 en 1980 et de nombreux nouveaux résidents euh, n'étaient pas là lors de la dernière éruption de Mauna Loa il y a 38 ans. Raison de plus pour laquelle euh, Magno a déclaré, le responsable, que les responsables faisaient passer le mot sur le, la science du volcan et exhortaient les gens à se Préparé. Donc, toute une histoire qui pourrait euh, tourner euh, au drame euh, dans les, euh, les, 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 les jours, les semaines à venir, juste pour vous démontrer comment on est dans un cycle de perturbation totale. Quand ça, une mauvaise nouvelle ne vient, jamais, jamais, jamais seule. Donc, euh, pendant ce temps-là, un tremblement de terre qui a frappé euh, à Luzon, aux Philippines. De 6,4. Euh, le 25 octobre, le 27 octobre, on apprenait que le niveau d'alerte pour le volcan Cotopaxi était porté au jaune en Équateur. Et, euh, et le climat aussi euh, fait des siennes. Euh, des violents orages euh, ont frappé la France le 24 octobre. On fait juste un, un survol de ce qui s'est passé euh, ces derniers jours. Émissions de vapeur et panache de gaz sur le volcan White Island en Nouvelle-Zélande, 26 octobre 2022. Les inondations euh, touchent plus d'un million de personnes au Tchad. Plus de la moitié de la capitale est sous l'eau, 26 octobre. Des habitations et des récoltes détruites par plus de 40 personnes tuées et 73 000 touchées par des inondations généralisées au Bénin. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Couler de lave au volcan euh, à l'aide en Russie. Et euh, des boules de feu qui sont vues partout hein, euh, dans le ciel, ça, ça continue. Des tempêtes tropicales, une la dernière en lice, euh, Nalgae, connue sous le nom de Paeng aux Philippines, s'est formée le 27 octobre, donc hier, et ça va aller frapper euh, le nord des Philippines. Donc toujours toujours un drame qui se produit un derrière l'autre un derrière l'autre avec des grandes catastrophes des grands séismes sont à venir aussi la magnétosphère qui est en affaiblissement renversement de pôle augmentation des rayons cosmiques galactiques une influence naturellement sur le centre le noyau de la terre tout ça probablement fait en sorte que on est dans une période extrêmement instable et que les catastrophes vont s'accumuler. Chers amis, ce n'est pas pour être alarmiste, mais préparez-vous parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se faire attraper, les culottes baissées, comme on dit, et qui ne sont pas préparés. Et ça, sans compter tous les problèmes de la crise énergétique, l'hiver qui s'en vient, froid, la quantité de gens qui vont mourir de froid, il plein de gens qui meurent de froid, beaucoup plus de gens qui meurent de froid que de vagues de chaleur. Et il y a on semble être incapable de gérer quoi que ce soit du niveau, au niveau des administrateurs publics, au niveau des élus, ou on ne veut pas, parce que c'est dans un plan peut-être de tout détruire pour recommencer à zéro. Je ne sais pas, mais je laisse ça entre vos mains, la conclusion. Mais pour l'instant, on va garder un œil sur, wow, la grande île d'Hawaï qui reçoit un avertissement, alors que le volcan, le plus grand volcan actif au monde envoie des signaux inquiétants. Chers amis, je vous reviens dans quelques instants ou quelques heures avec un, une histoire encore là euh, d'Ovni et c'est vraiment fascinant. Donc, le reste est là, je vous reviens.